dort, on est vaillants, nous, hein. Qu'est-ce que c'est qui est dans On est très heureux de vous retrouver aussi nombreux ce dimanche, mais on est à la fois triste parce qu'on préférerait être parmi les nôtres à la chasse pour profiter de nos derniers week-ends. Mais je crois que maintenant les choses durent depuis trop longtemps et je me réjouis d'avoir pu être présent parmi vous parce que ça suffit cette administration qui sans cesse tape sur le monde de la chasse. Parce que tout simplement, elle ne la connaît pas. J'avais évidemment préparé cette intervention. Beaucoup de choses ont été dites. Et je crois que finalement, je vais laisser parler mon cœur. C'est sans doute la meilleure des manières de vous remercier d'être venus aujourd'hui aussi nombreux. Ça fait vraiment quelque chose pour un président de fédération de voir que les troupes sont présentes, que les adhérents sont là, que l'ensemble des territoires sont représentés avec autant de ferveur pour défendre notre passion. Vous savez, la première fois que j'ai entendu une meute de chiens derrière un sanglier, je devais avoir 8 ans. Les poils se sont dressés immédiatement et ça ne s'est jamais interrompu depuis. Et ça, je crois qu'il n'y a que des chasseurs qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire, cette passion viscérale qui nous unit à la nature, et qui fait que tous les dimanches, chaque week-end, nous sommes présents dans la nature pour partager cette passion et communier. Tant que l'administration n'aura pas compris ce message, tant que l'administration n'aura pas compris que ce n'est pas une affaire que de normes, que de textes, que de réglementations, nous poursuivrons inlassablement la défense de notre passion.